Bonjour à tout le monde. Je suis Stefano Ferrari. Je suis le directeur de la recherche et du développement chez ISVEA, une société toscane très spécialisée dans des services d'analyse dans le secteur de la viticulture. Ici, je vais vous présenter brièvement les principaux résultats réalisés dans le développement qu'on appelle l'analyse du vin à distance, RWA. Donc, dans l'architecture de l'Internet des objets, ce qui vise à simplifier le contrôle analytique de la production viticole pour économiser du temps et de l'argent. Ce développement bénéficie de la contribution de la subvention de IOF 2020, faisant partie du cas de figure 3.2 qui a commencé en 2017 et qui sera bientôt terminé dans sa phase finale. Donc, qu'est-ce que est ISVEA? C'est une société fondée en 1997 d'un labo œnologique préexistant datant des années 70, gérant les analyses quotidiennes de production viticole, connue pour sa fiabilité et sa rapidité d'action. Après sa création, la société s'est développée encore plus dans l'analyse agroalimentaire, mais toujours très spécialisée dans le secteur du vin, et a développé largement son offre et son portefeuille et officiellement accrédité dans la crédibilité de ses services. Elle est aussi très reconnue par de nombreuses institutions internationales de recherche. La connaissance profonde de la société de l'activité viticole et sa grande et longue expertise contribue à la conception du projet RWA, analyse du vin par distance. Alors, la transformation du raisin en vin est l'une des plus complexes et longues dans l'agroalimentaire. Et cette transformation, c'est le contexte de cette analyse du vin par distance, RWA. Beaucoup de variables peuvent affecter la qualité du processus, donc ils doivent être restés contrôlés. Une des stratégies de contrôle les plus efficaces, c'est de surveiller fréquemment la composition chimique de base du produit. Il faut toujours penser que des contrôles chimiques basiques fréquents signifient pour certaines périodes de l'année des évaluations journalières nombreuses pour surveiller les transformations plus ou moins rapides. Mais bien sûr, à d'autres périodes de temps, les contrôles doivent être faits, mais pas si fréquemment. Dans les petites et moyennes exploitations viticoles, ceci implique le transfert d'échantillons vers un laboratoire externe, ce qui entraîne des coûts importants, du temps, de l'énergie dépensée, mais surtout beaucoup de temps, souvent au détriment d'autres tâches, puisque dans une petite exploitation, une seule personne fait toutes les tâches agricoles, œnologiques, commerciales et administratives en même temps. Ceci entraîne donc des contrôles moins fréquents, donc des risques plus élevés. De notre côté, dans les moyennes et grandes exploitations viticoles, il y a souvent un laboratoire interne mené par des techniciens spécialisés qui utilisent soit des méthodes dédiées qui exigent de longues périodes de temps, une consommation élevée d'agents, une haute spécialisation, ou bien des instruments de multiparamètres très chers, exigeant un entretien fréquent et ayant parfois une cohérence de base de données peu connue et qui a besoin de toute façon de bonnes compétences pour être opéré. Souvent, leur utilisation peut devenir autoréférentielle ou des contrôles croisés avec l'utilisation de méthodes dédiées ne sont pas effectués assez souvent. Également dans ce cas, on parle de coûts élevés, de perte de temps et aussi de tâches fatigantes, alors que la taille de l'exploitation implique aussi un échange d'informations et d'instructions dans une très grande équipe. Le projet donc de RWA a été développé par ISVEA. Eh bien,
L'objectif est de simplifier les activités décrites jusqu'à maintenant en réduisant le temps et les coûts associés. Ceci prend la forme de flux de données qui décollent et atterrissent dans les caves. Donc, le choix d'une technique analytique doit être répétable pour être efficace. Et aussi, ceci nécessite très peu ou aucun pré-traitement d'échantillons. Et ceci est stratégique pour générer une source de données assez riche. Donc, le détecteur, le lecteur doit bien être bien aligné avec tous les instruments et la présence dans le réseau. En fait, la technique la plus appropriée est la spectrométrie ou spectrophotométrie. Mais en même temps, c'est très important d'être dans des conditions de travail sur des échantillons non perturbés. C'est fondamental ensuite de développer, essayer de réduire, avoir un algorithme suffisamment robuste. Donc, s'il peut analyser chaque année, nous analysons plus de 100 000 échantillons de vin venant de toutes parties de l'Italie et de nombreuses régions du monde. Et on peut créer des déterminations avec des techniques dédiées et accréditées selon la norme 17025. Finalement, une fois que les données sources ont été traitées dans le cloud pour générer les paramètres désirés, ceux-ci sont rendus disponibles à toute l'équipe viticole en temps réel pour prendre des décisions. Ceci doit se passer aussi vite que possible dès l'acquisition des données pour vraiment ne pas perdre de temps pour l'opérateur. Donc, ça c'était ISVEA. Donc, on va passer à la mise en œuvre concrète. Le choix stratégique du détecteur, en fait, tombe sur la meilleure performance disponible ou taux de coût et que nous avons trouvé sur le marché. En fait, c'est le spectromètre FTIR assemblé par TDI. C'est un détecteur à très haute performance. Il permet un énorme contenu d'informations, une haute répétabilité, un alignement facile, un entretien facile, un petit traitement ou même aucun traitement, une petite quantité d'échantillons et donc, ceci, ça économise beaucoup, beaucoup de temps. Voilà. Alors, en 3 ans, ISVEA a créé une base de données de milliers d'échantillons qui ont été contre-analysés sur 9 paramètres de base utilisant des techniques analytiques de référence constamment mises à jour avec des données venant du monde entier, donc de l'élaboration de ces données. Peuvent dériver des comparaisons. Et ça, c'est le point clé de l'architecture de l'Internet des objets. WANDA est une plateforme puissante dédiée à la gestion des données impliquées dans la traçabilité complète et présentant déjà IOF 2020 pour les aspects liés au vin. C'était donc la partie naturelle pour la construction de l'architecture RWA dans le cloud et pour le développement d'applications dédiées à l'utilisateur final. Sur l'écran, vous pouvez voir les résultats d'un échantillon qui est lu en 3 exemplaires, montrant juste quelques secondes après le traitement la haute répétabilité des résultats qui sont évidents et l'application souligne la valeur du sucre non viable des deux rapportés en couleur rouge. Et nous voyons ici 40 grammes par litre de sucre qui ne peuvent pas rentrer par algorithme de calibration sucre faible. La composition de l'analyse est immédiatement partagée avec chaque collègue de l'équipe lorsque téléchargée sur son appareil.
Donc, regardons le système global de la solution. Je vais bientôt finir. Donc, les systèmes viticoles avec leurs équipes représentent le début et la fin de l'ensemble du flux des informations. On n'a pas besoin d'être très, très spécialisé. En fait, ici, les spectras lisent fréquemment les échantillons raisin-vin. Ils peuvent générer, envoyer ensemble avec les spectras issus de nombreuses exploitations et laboratoires du monde entier sur la plateforme résidente du cloud où constamment des fonctions de calibration changeantes s'appliquent. Bien sûr, la fourniture de données peuvent aider à la calibration des paramètres et la rendre de plus en plus robuste. De l'élaboration de ces données, nous voyons donc c'est très intéressant selon différentes zones et surtout pour des analyses de comparaison. Ceci bénéficie d'un effet d'alignement où les données analytiques sont entre les laboratoires et les exploitations et tout ceci dans le monde entier. Alors, le résultat est envoyé à l'équipe qui est immédiatement informée de la composition et peut faire des comparaisons, prendre des décisions en temps réel. Donc, tout tourne selon la rapidité du travail en cours et sans prendre du temps à leur travail. Tout le monde reçoit immédiatement les informations nécessaires sur leurs applis. Ils peuvent décider si agir ou quand agir. Donc, voilà, je pense que je suis à temps. Je suis disponible pour vos questions sur cette analyse du vin à distance, RWA. En tout cas, si des laboratoires ou des exploitations vinicoles veulent rejoindre le réseau ISVA, RWA, en contribuant au renforcement de la base de données, c'est possible. Vous devez me demander directement des informations et vous voyez mon compte email. Vous pouvez m'envoyer un mail, s'il vous plaît, qui se trouve sur la diapo qui vient de disparaître, mais qui réapparaît. Merci beaucoup pour votre attention et bonne continuation. OK. Bonjour, bonsoir à tous. Merci pour cette opportunité. Je suis ici. Je m'appelle Mathia, comme vous pouvez lire sur la diapo. Je suis cofondateur de Venda, qui est une start-up experte. Et nous allons présenter quelque chose qui a été réalisé grâce au projet de l'IOF. Merci infiniment aussi à tous les composants de ce projet très important. Alors, Venda, c'est une start-up experte soutenue par des investisseurs internationaux dont le siège social est en Italie, mais dont les activités sont internationales. Nous avons une expérience internationale éprouvée sur le marché du vin en matière de surveillance et de suivi des données température. Ayant démarré notre entreprise avec un brevet pour la surveillance des conditions de température il y a 5 ans et avoir mené un projet européen appelé suivi de l'intégrité des boissons dans le cadre de l'initiative IOF 2020, ce projet implique plus de 50 entreprises et de grands partenaires tels que Vinidea, CIV, ISVEA, Vinideas et iClair. Nous sommes ici pour vous présenter comment saisir l'opportunité de ne pas gaspiller les efforts déployés sur le terrain ou dans la cave, parce que nous avons vu comment les vins peuvent être soumis à de mauvaises températures en voyageant autour du monde. Mais un manque de contrôle de la température peut également se produire dans la cave et la visibilité de l'intégrité du produit est cruciale. Pour éviter la dévaluation de votre marque et les ventes manquées, tant que la qualité du produit. Comme vous le savez tous, mieux que moi, le vin est un produit vivant.
Donc, ne le gâchez pas simplement parce que vous n'avez pas de visibilité dans la chaîne d'approvisionnement ou vous pensez qu'il n'est pas possible d'avoir de visibilité. Saisissez l'occasion de la protéger. Nous avons créé Venda, qui est pour l'instant la seule plateforme collaborative et universelle pour la gestion des données de température et de traçabilité de la ferme à l'assiette. Et ceci peut donc comprendre des instruments de mesure pour gagner donc en temps réel. Ceci vous permet de bénéficier d'une surveillance et d'un suivi de la température en temps réel de la cave au magasin de vin. Gagner de la fidélité, la narration de la marque pour améliorer la collaboration tout en saisissant l'opportunité de la numérisation. Donc, vous pouvez vous abonner à différents modules logiciels qui peuvent apporter une visibilité, une gestion des données à des processus spécifiques de la chaîne d'approvisionnement, comme par exemple l'expédition, le stockage, l'analyse de la qualité, comme ISVEA. Si vous ne disposez pas de dispositif d'Internet des objets, d'enregistreur de données ou d'outils de mesure, nous pouvons vous les fournir par l'intermédiaire de tiers. On peut les fournir. Si vous disposez déjà de systèmes de surveillance ou de systèmes informatiques, nous pouvons nous y connecter en toute transparence. Examinons de plus près les modules de Venda. Je veux commencer par un exemple, une question pour vous. Vous connaissez tout sur votre enfant, oui, tant qu'il reste, qu'il vit à la maison. Mais la question est, quand il quitte ou elle quitte la maison un jour, et la même question pour votre vin. Quand votre vin quitte votre vignoble, avec le module d'expédition, nous vous permettons de vérifier l'état des marchandises en transit du point de vue de la température, du lieu et de l'humidité. Il vous permet d'économiser de l'argent en optimisant les livraisons, éviter les pertes de charges, surveiller les performances logistiques et même automatiser les contrôles. Même si vous n'êtes pas responsable pour les produits qui doivent être livrés. De plus, nous avons mis en place une police d'assurance auprès d'un partenaire d'assurance pour vous protéger contre les mauvaises manipulations dans les expéditions. Pas seulement les bouteilles cassées, mais tout type de dommages. Donc, c'est très important parce que le vin, comme vous savez, peut suivre différents parcours et c'est crucial de ne pas le gaspiller juste parce que nous n'avons pas de visibilité sur les expéditions. Et donc, revenons à l'exemple de l'enfant. Donc, toujours, tant que votre enfant vit à la maison, vous devez avoir un certain contrôle sur l'enfant, n'est-ce pas? Et nous sommes là pour vos fûts qui vieillissent ou vos fins stockées. Nous vous aidons à en numériser le contrôle. Pareil pour vérifier la cave qui vieillit et le bon fonctionnement des systèmes de réfrigération de l'entrepôt, tout en permettant de gagner du temps et d'améliorer la qualité des produits. Ici aussi, nous lions une police d'assurance pour ce cas spécifique. Et si déjà vous avez un système de suivi, on est très content de s'y connecter et du point de vue de l'IDEO, Internet des objets. Ensuite, comme déjà mentionné par Stefano de ISVEA, eh bien, avec donc, nous avons notre plateforme qui est le logiciel qui se trouve derrière une partie de l'analyse présentée précédemment. Pour tous les modules, c'est important de contrôler
de visualiser et de rapporter et de gérer les données de l'application mobile et de l'application web, choisir parmi une large gamme d'enregistreurs de données et d'outils de mesure. Je veux me concentrer maintenant sur l'application mobile. On a développé des fonctions spéciales dans le cadre de ce projet européen que nous coordonnons, permettant une connexion directe entre le détaillant et le producteur. Faire en sorte que le détaillant reçoive à la fois la commercialisation de contenu directement produit par la cave et les données de température au producteur pour les expéditions qui ne sont pas contrôlées par la technologie en temps réel. Enfin, ce qui est très important, elle aide le producteur à recevoir un retour d'information direct du détaillant sur les questions relatives au produit, parce que ils n'ont normalement pas beaucoup d'occasions de communiquer, de se rencontrer. Parfois, ils ne savent même pas qui ils sont. Voyons ce que certaines entreprises ont découvert avec Vanda ou en disent. Tout d'abord, pourquoi nous sommes uniques dans ce paysage? Eh bien, nous avons mis ensemble, avec tous les modèles que je vous ai présentés, différents instruments de mesure. Et comme vous pouvez voir, avec différents modèles, vous pouvez voir une situation de fin à fin, une approche de fin à fin pour la visibilité des conditions des produits. Et puis, alors qu'on va sur la plateforme, eh bien, on peut avoir donc une visibilité de la ferme à l'assiette. Pas seulement avec le vin, mais avec le raisin. Donc, nous sommes une plateforme ouverte et collaborative. On peut se connecter avec différents systèmes, livrer des analytiques. Donc, 5 minutes, Mattia. Yes, thanks. Donc, je veux vous montrer certains cas de figure. Une première société a découvert que leur livreur ne maintenait pas de transport à température contrôlée, avec le risque de compromettre la qualité, l'image de marque et les ventes du vin. Une autre société livrant en Russie avait des cristallisations au fond des bouteilles, ce qui compromettait la qualité du vin. Un autre cas a montré comment la livraison en Asie pouvait être très, très risquée. Donc, ces trois cas montrent la nécessité du système de contrôle garantissant une visibilité totale tout au long de la chaîne d'approvisionnement pour garantir une qualité de produit maximale aux clients du monde entier et pour plus d'efficacité. Donc, dans le cadre du projet IOF, les utilisateurs du cas de figure 3.6 ont montré à quel point le système est intéressant et utile pour leur travail quotidien. Une fois encore, dans le cadre du projet IOF, nous avons travaillé avec plus de 50 acteurs du secteur en suivant des dizaines d'expéditions et nous comprenons comment l'application mobile est utile pour mettre en relation directe le magasin de vin avec les producteurs. Parce que trop souvent, ils sont déconnectés, ne savent pas grand-chose sur les conditions du produit. Donc, je vais vous présenter un autre cas de distributeur de vin vendant en Asie et relié à une maison de vente aux enchères. Nous aidons leur service d'exportation et de logistique à s'occuper de leur vin, tant dans les expéditions maritimes qu'aériennes. On découvre les mauvais traitements infligés aux produits, les changements de plan, et pour assurer une qualité finale parfaite. Et donc, ici, nous regardons comment avoir la visibilité sur les dépôts. Ça, c'était en Chine intérieure ou au Hong Kong, quand les produits vont loin. Un autre cas, un producteur de vin qui doit expédier du sud au nord de l'Italie
Ce producteur a bénéficié du fait qu'il pouvait voir les conditions de transport de frais sur le terrain. Le dernier cas que je voulais vous présenter, celui d'un autre acteur qui n'a pas seulement utilisé le système Vanda pour veiller à la qualité de son produit, mais tout en gérant le risque de perte de revenus potentiels et a examiné la possibilité d'utiliser Vanda comme levier de vente vis-à-vis de l'importateur aux États-Unis. Enfin, pour conclure, nous sommes ici. Ne manquez pas l'occasion d'embrasser l'innovation, d'accueillir cette innovation pour gagner plus de visibilité sur les conditions de votre produit tout au long de la chaîne d'approvisionnement. N'hésitez pas à me contacter ou à contacter mon collègue Andrea. Et merci. Je demande à Francesca Romero de Valor Italia d'allumer sa caméra et de partager son écran. Bonsoir à tous et à toutes. Je présente le projet à Valor Italia dans le cadre d'IOF 2020. Le titre de notre projet est « Les outils IoT pour valoriser et renforcer la certification de vin de qualité ». Pourquoi avons-nous choisi le vin de qualité et qu'entend-on par vin de qualité? Quand on parle de vin de qualité, on comprend à la fois le vin AOP et IGP, mais aussi le vin bio. Et nous avons choisi cette typologie de produits pour deux raisons principales. Premièrement, qu'en Europe, le vin est le produit le plus réglementé qui existe. En Italie, nous avons plus de 500 vins AOP et IGP. Donc appellation d'origine protégée et indication géographique. Et deuxièmement, parce que nous pouvons avoir deux méthodes différentes d'approche des certifications. La certification de processus dans les cadres de la norme biologique et la certification de produits dans les cas de vin AOP et IGP. Qui est Valor Italia? Valor Italia est le principal organisme de contrôle et des certifications de vin conventionnel en Italie. Nous certifions plus de 80 000 exploitations viticoles et plus de 2 000 opérateurs bio. Donc, nous avons également d'autres services de certification tels que la production intégrée, la durabilité, certification en qualité, etc. Mais concernant la certification pour le vin, chaque année, nous inspectons environ 3000 caves avec un prélèvement d'échantillons sur place, près des 5000 échantillons de vin qui sont prélevés avec 12 000 inspections sur place, parce que chaque bouteille que vous pouvez trouver sur les linéaires du supermarché a été certifiée, analysée par un organisme de contrôle comme nous le sommes. Et nous avons une certification qui va jusqu'à la bouteille. Mais quels étaient donc nos besoins, les besoins qui nous ont amenés à participer à cette phase avancée du projet IOF? En tant qu'organisme de certification, nous devons gérer un grand nombre de données et ces données sont souvent gérées par différentes bases de données. Pour cette raison, tout audit implique un travail gigantesque en amont qui est fait au bureau. Et, donc, vous voyez la photo qui en est un exemple. Donc, c'est le travail qui est fait en amont de l'audit. Donc, vous voyez la quantité de travail qu'il faut faire. Donc, il y avait aussi un risque d'important d'erreur lors de l'audit du fait du remplissage manuel du rapport. Et par conséquent, il y avait une faible efficacité de l'inspection en raison de l'impossibilité d'accéder aux bases de données en temps réel. Donc, pour cette raison, nous avons décidé de développer deux types d'applications, l'une pour les vignobles et l'autre pour la cave, pour avoir des applications pour smartphones et tablettes qui sont les appareils smart le plus populaire. Donc, de cette manière, les inspecteurs ont la possibilité de se connecter directement depuis le lieu d'audit. Nous avons également introduit la réalité virtuelle comme outil de formation des inspecteurs, mais je reviendrai sur ce point ultérieurement.
Commençons donc par l'audit du vignoble. L'inspecteur doit comprendre la bonne position du vignoble et toutes les données cadastrales, telles que le type de cépage, la superficie qui est inscrite sur la base des données nationales, etc. Il faut vérifier la correspondance entre ces données et la réalité. Dans les cas de production biologique, il est également obligatoire de faire un contrôle du cahier des interventions culturales de manière à contrôler les données historiques sur les traitements et sur les pratiques agronomiques. Donc voici une liste de nombreuses bases de données qui sont utilisées dans ce type de contrôle. Alors vous pouvez donc imaginer à quel point il est difficile de connecter toutes ces bases de données. Certaines choses doivent être encore affinées, mais nous en sommes en tout cas à la phase finale du projet. Ici, nous avons un exemple de notre application pour l'inspection pour les audits des vignobles. Vous voyez comment cela se présente. Donc, comme je l'ai indiqué, il y a le rapport de l'inspecteur, de l'auditeur qui doit être rempli. Il y a la connexion au système d'information géographique et d'autres données du cadastre qui peuvent être intéressantes pour la personne chargée de l'audit. Mais qu'en est-il des audits qui sont effectués à la cave? Alors, le contrôle qui est effectué à la cave prévoit d'abord que les responsables de l'audit vérifient la correspondance des stocks de vin en les comparant avec la base des données et avec le registre national. Donc, il faut comprendre quelle est la typologie de vin et la quantité qui se trouve dans les différentes barriques et cuves. Et bon, bien sûr, pour les vins biologiques, il faut également savoir quels sont les traitements qui ont été appliqués. Vous avez ici un exemple de la base des données. Donc, cette image est un écran du CIAN, le registre national numérisé depuis 2017. Donc, c'est en cloud où tous les producteurs de vins stockent leurs données. Et ici, nous avons un autre exemple qui est un exemple de notre base des données, que nous avons appelé Dionysos. Et ici, on enregistre tout le processus des certifications avec tous les documents afférents. Ici, nous voyons un exemple de l'application qui est utilisée pour l'inspection sur place dans les caves, dans les chais. Dans cette phase, nous avons également testé la réalité augmentée, donc on a encadré avec le smartphone les codes QR qui étaient sur les barriques afin d'avoir les données affichées immédiatement sur la tablette. Et le résultat final n'a pas été jugé intéressant par les responsables d'audit. Et c'est pourquoi nous avons arrêté cette phase des tests. Il était également intéressant de tester des capteurs qui étaient utilisés dans la cave grâce à une start-up portugaise, WineGrid, qui avait déjà développé cette technologie. Nous avons testé ces capteurs qui mesurent plusieurs paramètres. On peut les appliquer sur les barriques. Et ces capteurs mesurent les niveaux et la température dans la barrique. Donc, il y a également d'autres capteurs similaires qui mesurent la densité et la température, aussi bien en barrique que dans la cuve. Et puis, il y avait également des capteurs pour les suivis à distance et en temps réel de la fermentation. Donc, ces mesures en temps réel aident l'œnologue à suivre la cinétique fermentaire en visualisant le moment précis des interventions, des opérations de cave. Comme je l'ai mentionné plus tôt, nous avons également testé la réalité virtuelle qui pourrait être un bon outil de formation pour les inspecteurs parce que nous avons la possibilité de proposer une formation virtuelle, une formation obligatoire directement depuis notre bureau, ce qui permet d'économiser du temps et de l'argent. Et après la situation pandémique avec la COVID-19, cet outil est devenu également un outil de marketing pour les entreprises viticoles qui ont la possibilité de proposer à leurs importateurs une visite guidée de leur chai directement depuis l'autre bout du globe. Ou bien ils ont la possibilité d'inviter, par exemple, des clients à l'occasion des salons comme Vinitaly ou ProWine ou d'autres. Et enfin,
Je voudrais vous parler des avantages et des inconvénients, à commencer par les difficultés auxquelles nous avons été confrontés au départ. Déjà, l'interopérabilité entre les bases des données n'était pas si facile et immédiate parce que la situation était très diversifiée dans les régions italiennes. En plus, chaque région avait sa propre base de données. Alors, vous imaginez les difficultés. Un autre aspect difficile était la connexion des capteurs dans les zones rurales. Nous avons testé différents types de connexions. Néanmoins, il faut tenir compte également qu'il y a une évolution rapide de ces genres de solutions. Par exemple, au début du projet, la nouveauté était la connexion 4G et aujourd'hui, on est déjà à la 5G. 5 minutes, Francesca, j'en suis presque à la conclusion. Mais bon, il y a eu des difficultés, mais également des aspects positifs. Donc, nous avons pu atteindre nos objectifs qui étaient la réduction du papier et la réduction des erreurs humaines. Et donc, lorsque ce projet pilote sera pleinement développé, nous aurons véritablement amélioré l'efficacité de nos audits. Aujourd'hui, nous sommes encore à la phase pilote, mais nous pensons que cet outil changera véritablement notre travail quotidien. Et enfin, compte tenu de la situation pandémique qui est encore en cours, qui concerne encore le monde entier, ces outils que nous avons développés sont devenus urgents et prioritaires. Par exemple, au mois de mars dernier, l'Union européenne a arrêté tout audit en personne. Nous connaissons encore des difficultés aujourd'hui encore et par conséquent, toute solution à distance qui assure la sécurité des personnes et permettant d'effectuer une inspection à distance est la bienvenue. Vous avez ici nos références, nos contacts. Si vous souhaitez nous contacter, nous sommes à votre disposition. Vous avez mes coordonnées et celles de mes collègues comme Matteo Valderacchi. Moi-même, Matteo, nous sommes à votre disposition pour répondre à des questions éventuelles. Merci beaucoup.